journaliste et naturopathe. Et je pense que dans la salle, vous devez bien vous demander quel est le rapport. Alors, je vais tenter une petite explication. Je suis née à l'époque des digitales natives. Et très vite, quand j'ai commencé à travailler dans une rédaction, j'ai immédiatement été confrontée à un choc des cultures, à un choc des générations. Alors, pour mes confrères, c'était l'information dite « top-down », celle qui vient des experts, des autorités sanitaires, mais aussi, bien sûr, des agences de presse. Alors que moi, je passais un temps pas possible à me délecter dans cet océan d'informations qu'est Internet. Et c'est là que je partais à la pêche au scoop. Alors, bien sûr, je revenais en conférence de rédaction toute fière avec ma pièce « Pêche miraculeuse », mais malheureusement, je ne récoltais que des regards sceptiques. J'en ai déduit que c'était un peu à cause de la nature de mes sources, des informations citoyennes, une information dite « bottom-up ». Alors forcément, j'avais un petit peu de mal à faire passer mes sujets, et c'est pour ça que j'ai décidé un moment de bifurquer et de me lancer dans une autre voie, la naturopathie. La naturopathie, c'est le naturopathe, c'est le généraliste de la médecine naturelle. Mais finalement, ça a été un détour pour un retour. Parce que la naturopathie m'a appris trois choses essentielles sur l'information. Premièrement, tout procède au départ d'une information. C'est toujours une information qui vient conditionner un comportement. Donc le vrai problème en santé publique, ce n'est pas tant le produit chimique, toxique, que le discours qui l'entoure initialement. Deuxièmement, tout est information. Et finalement, c'est toujours une question de différence de niveau. L'information pondérale est mesurable. L'information sensorielle est interprétable. Et l'information subtile, elle, est captée par l'intuition. Alors, c'est un peu tout le problème de l'homéopathie, qui n'est pas mesurable, et on a un peu tendance facilement à parler d'effet placebo. Mais quand on parle d'effet placebo, finalement, on reconnaît là encore l'information subtile, celle qui agit dans l'invisible. Troisièmement, tout est lié. Les informations sont interconnectées. Par exemple, dans un système vivant, vous avez des systèmes de boucles de rétroaction qui informent constamment le système, le tout, sur l'activité de ses parties en vue, bien sûr, de son autorégulation. Et c'est là que j'ai réalisé qu'Internet était un système vivant où nous sommes tous interconnectés en vue de l'évolution de notre humanité. Et c'est là que je me suis dit, il serait peut-être temps de revenir au journalisme. Quel est le contexte à l'heure actuelle? Eh bien, nous sommes bombardés d'informations. Il devient de plus en plus difficile d'exercer ce fameux esprit critique qui n'est rien d'autre qu'une forme consciente de rétroaction. Je voudrais vous montrer un petit exemple avec un TED, un extrait, qui s'intitule « Information is food ». I put it to you that information, if viewed from the point of food, is never a production issue. You never speak of food overload. Fundamentally, it's a consumption issue. And we have to start thinking about how we create diets within ourselves, exercise within ourselves, to have the faculties to be able to deal with information, to have the labeling to be able to do it responsibly. In fact, when I saw Super Size Me, I started thinking now of saying, what would happen if an individual had 31 days non-stop Fox News? Eh bien, je suppose que nous subirions une overdose d'informations, une indigestion, et que nous tomberions malades. À l'inverse, information is food, and food is information. L'alimentation contient au niveau microscopique des informations essentielles pour notre corps. Je ne sais pas si vous savez, mais chaque jour, dans notre corps, c'est 20 milliards de cellules qui meurent, et il faut bien les remplacer. Et tout dépend effectivement non pas de la quantité de l'information qu'on va lui apporter, mais bien de la qualité. Au début, quand j'ai commencé mon métier de journaliste, je pensais qu'il suffisait d'apporter de bonnes informations aux gens pour adapter les comportements de la population. Et je me suis aperçu que la population n'a pas la possibilité toujours d'entendre les bonnes informations. Non pas parce que la bonne information n'est pas disponible, mais tout simplement parce que la population est prise dans une triple intoxication qui la rend incapable d'assimiler ces bonnes informations. Première intox, l'intox médiatique. Nous sommes à l'ère de l'info-obésité. Nous sommes overdosés en informations de pauvre qualité.
Alors il y a un ouvrage qui l'explique très bien et qui s'appelle TV Lobotomie, qui explique très bien l'impact de l'info-obésité sur le développement des enfants. Et dans ce livre, il y a une illustration très intéressante où nous voyons les dessins des enfants en fonction du temps passé devant la télévision. Les premiers dessins sont ceux des enfants qui passent moins d'1 heure par jour. Les seconds sont ceux qui passent plus de 3 heures par jour. En fait, ces derniers ont reçu beaucoup, beaucoup trop d'informations et de faible qualité. Deuxième intox, l'intox agroalimentaire. On nous dit qu'on n'a jamais aussi bien mangé qu'aujourd'hui parce que nous mangeons varié. Mais manger varié, est-ce manger équilibré? On oublie le concept de densité nutritionnelle. L'intox agroalimentaire, c'est à la fois moins de nutriments essentiels, mais aussi plus d'additifs. Je vous propose d'écouter ce que dit le docteur Russell Blaylock, qui est un spécialiste de l'alimentation et notamment des additifs, auteur d'un livre qui s'appelle « Excitotoxine, le goût qui tue ». We're developing a society because of all of these different toxins known to affect brain function. We're seeing a society that not only has a lot more people of lower IQ, but a lot fewer people of higher IQ. In other words, a dumbing down, a chemical dumbing down of society. We have these people of lower IQ who are totally dependent. Then we have this mass of people who are going to believe anything they're told because they can't really think clearly. Troisième intox, l'intox médicamenteuse. Nous sommes dépendants à un triple niveau. Psychologiquement du médecin qui sait, physiquement du remède qui guérit et financièrement du système qui rembourse. Alors autrefois, on allait à l'église pour entendre la bonne parole. Eh bien, aujourd'hui, nous avons transféré l'autorité auprès du corps médical. Et c'est le médecin qui distille l'évangile. Son évangile, c'est le Vidal, ce fameux bouquin rouge que l'on voit souvent sur la table des médecins. On reconnaît l'arbre à ses fruits, dit-on. Eh bien, allons voir comment ça se passe un petit peu dans le pays de Pasteur. Malheureusement, chaque année, 20 000 personnes meurent en France sous l'effet des effets secondaires des médicaments. Mais plus largement, 9 millions de personnes en France sont atteintes par une maladie longue durée. Ce sont les chiffres de la Sécurité sociale. C'est 1 personne sur 6 dans la population française qui est malade et malade à vie. Peut-être qu'on pourrait penser un peu à ce concept de psychanalyse. Tout simplement, à un moment donné, il faut tuer le père. Et si nous voulons sauver notre santé, peut-être que nous devrions nous débarrasser de Pasteur. Peut-être pas de tout, mais réfléchir un peu à une porte de sortie parce qu'il y a urgence. Et c'est maintenant qu'il faut agir. Alors comment faire? Face à l'info-poison, il existe un antidote qui est à notre portée à tous, qui s'appelle l'esprit critique. C'est gratuit et c'est très efficace. Mais pour l'exercer, il faut devenir adulte face à la formation. Ça veut dire, d'un côté, ne pas avaler et croire aveuglément tout ce qu'on nous dit. Mais de l'autre, aussi, savoir remettre en cause son système de croyances. Et c'est bien ce qu'il y a le plus difficile. Parce que ce système de croyances fonctionne un peu comme des programmations qui tournent sur un système d'exploitation que nous avons hérité depuis l'enfance. Dans un stade normal d'évolution, de la dépendance parentale, de la petite enfance, nous arrivons à l'adolescence. Et le but, c'est de dézinguer ce système de programmation pour établir nos propres croyances. On installe de nouveaux programmes, on devient notre propre référent. Et ensuite, à l'âge adulte, nous effectuons toutes les mises à jour nécessaires. Deuxième antidote, c'est Internet. Internet, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous avons l'occasion de contrer le prêt-à-penser toxique. Parce que l'information coule à flot, la bonne, la mauvaise, mais nous y avons accès. Bien sûr, c'est un média pour adultes, dans le sens où on doit se débrouiller par nous-mêmes. Plus personne pour nous tenir la main. Alors, il est possible qu'une partie de la population ne puisse accéder à cet usage instructif, citoyen d'Internet, et n'en fasse qu'un usage récréatif. Mais je pense personnellement qu'il suffira d'une minorité de personnes pour faire changer la donne. Alors vous me trouvez peut-être un peu optimiste. Pour essayer de vous convaincre, une petite analogie avec le corps humain. Je ne sais pas si vous savez, mais nous sommes composés de cellules, mais aussi de bactéries, donc. Et ces bactéries sont 10 fois plus nombreuses que le nombre de cellules. 3 catégories parmi ces bactéries. 5% de pathogènes,
5% de bénéfiques et 90% de suiveuses. En gros, ce sont les minoritaires qui font la pluie et le beau temps sur notre santé. Eh bien, moi, je crois qu'Internet se comporte comme un système vivant et que nous avons la possibilité, s'il y a une petite frange de la population qui fait pencher la balance, de réaliser ce changement de paradigme que nous attendons tous, aussi bien d'un point de vue environnemental, social, politique, économique. C'est un outil puissant parce que l'information, comme dans la communication cellulaire, se propage de manière virale et à la vitesse de la lumière. Et c'est peut-être pour ça qu'il fait peur aux vieux systèmes d'information. Parce que les vieux médias sentent qu'ils sont en train de perdre le contrôle par rapport aux bactéries citoyennes. Mais pour illustrer donc cette résistance face au changement, une dernière petite anecdote. Dernièrement, je faisais un article sur les vaccins. Et je suis tombée sur Internet, mine d'or, sur un document qui répertorie 1700 études scientifiques sur les dangers de l'aluminium vaccinal. J'ai pensé à le confier à un de mes amis, confrères, journalistes, qui travaille dans une grande agence de presse et qui, justement, s'apprêtait à faire vacciner sa fille. Il m'a répondu avec beaucoup de certitude que j'étais pétrie de croyances. Eh bien, j'ai préféré pas lancer le débat d'experts interminable, forcément stérile, parce que depuis Einstein, nous savons qu'il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Eh bien, accepter de désintégrer notre propre système de croyances, c'est le défi principal qui nous attend si nous voulons devenir des adultes libres dans la société de l'information.